bienvenue dans votre magazine Parabole. Dans ce programme, on vous donne régulièrement des nouvelles du frère Najib. C'est un frère dominicain irakien qui vient régulièrement en Alsace. Et comme beaucoup de chrétiens irakiens, il a vécu douloureusement l'invasion de Daesh dans son pays. Dernièrement, il est retourné à Mossoul pour constater combien sa ville avait été détruite. Et il y est retourné avec son ami de toujours, le prêtre alsacien Rodolphe Vigneron. Ils en ont ramené des images impressionnantes et exclusives que je vous propose de regarder tout de suite. Il y avait les cliniques et les médecins, il y avait vraiment le commerce. En avril dernier, le père alsacien Rodolphe Vigneron et le père irakien Najib Mikhaïl sont allés à Mossoul, la deuxième ville d'Irak. Occupée par Daesh, ils n'y étaient pas revenus depuis plus de 5 ans. Bien, je retiens tout d'abord évidemment une impression d'un grand désespoir, enfin une grande tristesse, puisque c'est une ville que je connais bien, j'y avais séjourné de nombreuses fois, et de voir tout ça en ruine et dans un tel état de désolation, c'est émouvant et impressionnant. Malgré le départ de l'État islamique, la sécurité n'est toujours pas assurée et ils n'ont pu passer qu'une seule journée sur place. L'émotion est à son comble lorsque le père Najib retrouve son église, Notre-Dame de l'Eure. Dans cette église, il y a encore les gilets pare-balles des Daesh, des cartouches, des sacs d'explosifs. Et puis dans les sous-sols qui a servi de prison, il y a encore les couvertures, les gobelets, même la corde de pendaison, puisque c'était aussi le tribunal. Père Najib était en charge de la communauté dominicaine à Mossoul. Depuis 2014, il est réfugié à Erbil, au Kurdistan irakien. Il vient régulièrement en Alsace pour assurer des conférences. Il se réjouit du départ de Daesh, mais il reste prudent. Le problème de Daesh, ce n'est pas seulement raser la barbe et changer les vêtements, mais aussi il faut changer l'esprit. Et donc beaucoup de gens ont changé leur physique, leur apparence, mais en réalité, leur esprit reste tel qu'il est. Donc Daesh existe encore dans l'idéologie et non pas dans les vêtements, dans l'extérieur. Et beaucoup de gens sont très heureux, musulmans, chrétiens, yézidis et les autres minorités, que maintenant il y a beaucoup plus de paix que jadis. Mais il reste beaucoup de choses à faire, à rebâtir l'être humain, parce qu'il est cassé. Il y a tellement de traumatismes, surtout dans le monde des enfants, des jeunes, des adultes. Et tous ces gens-là sont vraiment très touchés par cette violence pendant 3 ou 4 ans. Et cela, ça demande beaucoup d'éducation, beaucoup de temps, beaucoup de travail. Ces violences ont entraîné le départ de 60 à 70% des chrétiens d'Irak. Environ 500 d'entre eux sont actuellement accueillis en Alsace. La communauté chrétienne, je pense, c'est la communauté la plus apte déjà de s'adapter avec cela. Et on voit toujours ces chrétiens-là sont heureux, sont contents et ils sont reconnaissants de l'accueil que la France déjà et l'Alsace avaient pour eux. Et ce que je veux dire à ces gens-là, il faut donner vraiment le meilleur de leur vie et aider les enfants également à vivre heureux et respecter cette terre d'accueil pour eux, qui est leur pays, un nouveau pays pour eux. Donc il faut les respecter et les aider et ne pas sentir étrangers. Et je crois que l'exemple le plus efficace, quand on peut parler la langue française, c'est un signe de respect. Quand on peut s'adapter, c'est un signe de respect. Quand on devient des ingénieurs, des médecins, des ouvriers, des cheminots, de tout, c'est un signe de respect, de pouvoir ne pas sentir qu'on est étranger dans le pays qui nous a accueillis. Des réfugiés irakiens ont tout de même choisi de retourner dans leur pays, principalement à Karakoch, presque aucun à Mossoul, 4 familles tout au plus. En Irak, l'élection d'un nouveau gouvernement est une source d'espoir, mais le travail de reconstruction est énorme.
Le couple que nous allons découvrir dans le prochain reportage vient aussi d'Irak. Comme des milliers de chrétiens irakiens, ils ont dû fuir en urgence leur pays. Et ce couple s'est installé dans le Haut-Rhin et ne compte pas retourner dans son pays. Racha et Ziad sont deux jeunes mariés. Ils se sont unis l'an dernier à l'église du Sacré-Cœur de Mulhouse. Alors qu'à leur âge, d'autres débutent leur vie professionnelle, eux ont encore tout à construire. Racha a fui l'Irak en 2014, suivi un an plus tard par Ziad. Avant d'obtenir un visa, j'étais très très triste parce que j'ai séparé avec Racha. On a perdu tout comme nous étions en Irak. Mon père, il était directeur dans une entreprise. Moi, je travaille avec lui. J'avais un travail aussi. Avec le travail, je fais mes études. Ils sont tous les deux originaires de Karakoche, la principale ville chrétienne d'Irak. Et ils se sont rencontrés à l'université de Bagdad, où ils se préparaient à devenir professeurs d'araméen, avant que l'État islamique ne vienne contrarier leurs plans. On a vu à la fin de 2014, on a vu toutes les maisons, elles ont brûlé toutes les écoles, elles ont cassé, plein de choses à Karakoche. La quantité de gravats à Karakoche après le passage de Daesh était énorme. Même si Racha a trouvé ici la paix et la liberté, les souvenirs sont encore vifs dans son esprit. En Irak, c'était toujours dangereux. On n'aime pas aller, par exemple, c'est pas on n'aime pas, mais on ne peut pas aller à Mossoul à cause il y a des attentats, il y a des bombes toujours à Bagdad aussi. Pour ça, c'était plus compliqué. Ici, je vais comme je veux, toute l'Europe, par exemple. Ça va pour moi. Alors que les parents de Racha sont en France, ceux de Ziad sont réfugiés en Jordanie. Je suis heureux, je suis triste parce que, en fait, j'ai quitté mes parents. Je suis tout seul ici. Je suis heureux, je me suis marié avec Racha. Ici, je pratique ma religion, je pratique qu'est-ce que je veux ici. Ça va très bien pour moi aussi. Aujourd'hui, Ziad rejoint son poste d'aide cuisinier. Il est employé ici depuis bientôt 2 ans, mais il continue à s'accrocher à son rêve, devenir infirmier. Le travail ici en France, la vie, c'est très très difficile à vivre. Le deuxième, pour apprendre le français aussi. Troisième, j'apprends le métier aussi. L'employeur des Ziad sait qu'il est ambitieux. J'espère qu'il arrivera à continuer avec moi, qui reste toujours avec moi, mais s'il veut faire autre chose pour avancer dans la vie, ça ne me dérange pas, au contraire, je l'encourage. Surtout Ziad, c'est un bosseur, il arrive à faire beaucoup de choses, parce qu'il a beaucoup de choses dans sa tête, et il continue à faire des études, des choses, bravo, moi je félicite, parce que lui, il veut avancer dans la vie. Moi je pense qu'il arrive. On fait enregistrer, voilà. Et Racha espère bien y arriver elle aussi. Elle se rend à l'association d'insertion Médiacycle, où elle est salariée depuis quelques mois. En fait, le travail pour moi, il donne beaucoup de confiance et il construit ma vie future. Et ça, c'est déjà bien pour trouver du travail et pour commencer. Je ne peux pas dire je ne suis pas heureux et je suis heureux. Il y a quelque chose je suis heureux et quelque chose non. Mais je pense maintenant ça commence d'être heureux, de trouver du travail, de sortir de la maison, de parler avec les gens. Et ça, c'est trop pour moi, parce qu'avant, j'étais tout seul. C'était très triste, j'étais très triste, mais maintenant, non. La motivation de Racha est constatée par tous ses collègues. Elle avait fait des études supérieures dans son pays d'origine.
elle a à souhait de définir un projet professionnel qui corresponde à ses attentes. Elle n'a pas simplement la volonté de travailler pour des raisons pécuniaires, mais bel et bien de s'épanouir professionnellement. Donc c'est ce qui fait aussi la force de la motivation de Racha et de toutes les personnes qui sont réfugiées politiques. C'est cette volonté de se donner les moyens de réussir malgré un passé douloureux, malgré des problématiques qu'elle rencontre, telles que les problématiques linguistiques, des cultures différentes, des systèmes différents, une administration différente, etc. Donc c'est vraiment cette volonté de s'en sortir, coûte que coûte, qui fait en fait la force de notre public et en particulier des réfugiés politiques, j'ai envie de dire. Décidée à rester en France et à y fonder une famille, Racha et Ziad espèrent bientôt obtenir la nationalité française. Eh bien, c'est tout ce qu'on leur souhaite pour terminer cette émission. Je suis avec Monseigneur Vincent Nolman. Bonjour. Bonjour. Alors, il est évêque auxiliaire de Strasbourg depuis 2012 et comme vous le savez, il quitte l'Alsace pour devenir archevêque coadjuteur de Cambrai. Alors, Monseigneur, j'aurais une première question. Qu'est-ce qu'un archevêque coadjuteur ? Ben, archevêque ou évêque, ça on sait, c'est un responsable d'un diocèse, donc d'une communauté chrétienne sur une région. Et coadjuteur signifie tout simplement qu'il est l'adjoint et donc il a le droit de succession à l'évêque en titre. Et alors vous prenez vos fonctions quand ? Donc il y a déjà eu une première étape, puisque j'ai été archevêque coadjuteur nommé, ça entre le 25 mai quand il y a eu l'officialisation de la nomination, jusqu'au 10 juin dernier où je me suis rendu à Cambrai pour signer l'acte d'entrée dans la mission et lire la bulle de nomination du pape. Et donc depuis le 10 juin, je suis alors l'archevêque coadjuteur, c'est-à-dire lié au diocèse de Cambrai. Donc ici en Alsace, je suis à l'heure actuelle l'hôte de la communauté chrétienne ici. Et alors le diocèse de Cambrai, ça représente à peu près combien de fidèles ? C'est pas loin d'un million d'habitants aujourd'hui, avec quatre villes. Moyenne de 30 000 habitants, Valenciennes, Maubeuge et Douai, et naturellement Cambrai au sud du diocèse. Donc, vous avez été nommé évêque auxiliaire il y a 6 ans, pas de regret de quitter l'Alsace ? Un pincement au cœur quand même. Je suis alsacien, j'étais très à l'aise naturellement dans ce diocèse pour y avoir grandi, pour avoir été séminariste, puis ensuite prêtre, formateur de séminariste. Bien sûr que pour moi, c'est un petit arrachement humain. Mais en même temps, quand j'ai accepté de devenir évêque, je savais que je me mettais à la disposition de l'Église universelle, donc à un appel possible du pape pour une autre mission. Alors, quel est le souvenir le plus marquant que vous garderez de vos 6 années comme évêque d'Alsace ? Qui me marque toujours, aujourd'hui encore, c'est de réaliser que, au-delà de tout ce qu'on a à faire et de toutes les visites pastorales, de toutes les rencontres, des interventions, je sais qu'on est porté par des personnes qui prient pour nous, qui nous soutiennent moralement et qui, même certains, offrent leurs épreuves et autres pour que l'évangile soit annoncé. J'ai rencontré des personnes assez extraordinaires, que ce soit sur leur lit de malade ou des personnes qui ont du mal à être en lien direct avec une communauté chrétienne. Et c'est une des forces. Je pense que l'âme de l'Église est entretenue par ces personnes qui ne sont pas forcément mises en avant dans nos assemblées ou dans nos réalités. Et c'est ce qui m'a marqué le plus. Merci, Monseigneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Bon vent ? Bon vent, je ne fasse pas trop de bêtises à Cambrai. Et là, sur ce, je vous remercie. J'espère que vous avez passé une bonne émission et je vous dis à bientôt.